En direct du Canada, dans un studio qui est plus grand que la capsule Soyouz, voici Radio-Canada International et Tam Tam Canada, votre émission du vendredi où on a le plaisir de vous rencontrer et aussi des fois de rencontrer certains collègues qu'on a boudés durant la semaine parce qu'on était trop occupés. Alors autour de la table, nous avons, à l'image du drapeau du Canada, mes deux amis ici. On a Alice Chantal Chandem. Bonjour Alice. Bonjour Stéphane. Marie Jobin également s'est joint à l'équipe aujourd'hui. Bonjour les deux. Oui, je ne pensais pas qu'on partait comme ça sur la Lune. J'aurais amené ma combinaison d'astronaute. Ouais, pour ressembler à David Saint-Jacques. Ouais. Hein? Ben, peut-être, mais vous savez que lorsqu'il y a eu une des femmes qui était supposée de sortir lors d'une mission, la combinaison était trop grande. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas sortie. Donc, après, ils se sont ravisés. Ils ont amené la bonne combinaison. Eh, bon Dieu. Plus de peur, t'as de mal. Hein? Bon, une chance que c'était pas un problème avec les talons hauts non plus. Non. Pas la bonne pointure. Non, pas non, vraiment. Pas vraiment. D'accord, parce que personne dans l'espace ne marcherait comme ça avec des talons hauts, j'imagine. Ben, en fait, vous ne marchez pas dans l'espace. Non. Vous flottez. Vous planez. On plane. Ouais. On plane dans le fond. Ah, c'est ça. Écoutez, je sais qu'on pourrait faire une émission sur l'espace. C'est pas l'imagination qui c'est marque sûr, ici. C'est sûr que c'est un sujet très, très passionnant. Mais quel est le sujet de cette semaine de discussion? Voici notre vidéo 5 images. Et tout le monde à la maison avec vous joue le jeu parce que personne ici est au courant, sauf moi. Quel est le sujet aujourd'hui de l'émission? Voici 5 petites images. Et il faudra être précis parce que ça peut sembler évident, mais... Bon, des bateaux. Ouais, des beaux bateaux. Bateaux de guerre ou de... Oui, tout à fait. Ah, mon Dieu, ça, c'est... C'est en Europe, quelque part. Est-ce qu'on va commémorer quelque chose? Est-ce qu'on est en, est-ce qu'on est en Ukraine, peut-être? On est... Oui, on est en Ukraine. Monsieur Zelensky? Oui, tout à fait, le président, voici, le voilà. Le président. Et voici l'autre. Trump. L'autre l'impeachment? Oui, l'impeachment. Tout à fait. Et notre... Pardonnez-moi. Je pas... non, mais ça, c'est un photomontage, là. C'est de la fake news, ça, encore une fois. Regardez-moi ça. Ça n'a jamais... Ça appartient pas à la réalité, ça. Oui, ça, oui. Il me semble que c'est un photomontage. Mais quand même, la question est sérieuse. Qui peut encore faire confiance à l'Amérique de Donald Trump? Parce qu'on a été prouvé par des volte-face incessants, par des décisions inattendues. Et puis le Canada, qui est un partenaire économique et politique majeur. Des États-Unis. Je ne sais pas si les États-Unis voient ça comme ça, mais en tout cas, nous, c'est notre partenaire économique et politique tout majeur. Fait, oui. On se pose des questions, d'autant plus qu'il y a une réunion à l'OTAN où encore on va sentir que Trump n'est pas tout à fait d'accord avec le peu d'argent investi par les autres pays, l'avenir même, ce que doit faire cet organisme. Alors ça, c'est dans les cartes. Et bien sûr, il y a en arrière tout ça un président qui est affaibli, peu importe le résultat, par une enquête sur ce qui s'est passé en Ukraine. On va parler de ça avec un spécialiste. Pour le moment, place au jeu avec la sphérologue qui appuie sur le bouton. Et voilà. Premier tour de la grosse boule, il y a 3 jeux par émission, pour ceux qui ne le savent pas. Oui, et... moi j'appelle ça le moment d'humiliation préféré de Stéphane. Moi, c'est l'humilité. On n'a sûrement pas les réponses. Ouais. Ben, écoutez, on va essayer de les avoir. Ouais. Alors, 100 boules à perdre. Et on 20 boules pour le premier jeu à perdre. J'ai difficulté à dire ça avec sans émotion. Alors voici, première question, on affiche. En date du 3 octobre dernier, non, 9 octobre dernier, Donald Trump avait fait combien de mensonges ou fausses déclarations selon le Washington Post? Alors moi, déjà, je vous dis aucune de ses réponses. Aucune de ses réponses. Parce que c'est beaucoup plus que ça. Vous pensez, vous? Oui, je suis pas mal sûr. Vous ne me racontez pas des histoires? Je ne crois pas. Alors, elle dit D pour Maryse. Moi, j'irai avec un maximum parce que, enfin, il est devenu comme une espèce de menteur chronique. Donc, j'irai avec la réponse C. Eh bien, 9435. C'est... En tout cas, ça se termine par 435, ça c'est sûr. Mais certain. C'est 14 000. Ben, on va regarder. Pas loin. J'ai préparé une petite vidéo pour vous, parce que j'aime les graphiques et j'aime que ça soit bien détaillé. On est comme Washington Post ici, ou le New York Times. Oh, oui. On ne recule pas devant la dépense pour bien être clair dans nos explications. Mais évidemment, les choses se font attendre des fois. Ben oui, la réponse. Mais la réponse, ça s'en vient, vous allez voir. Qui a raison? C'est... Aucune de ces réponses. Oh! Merci. C'est beaucoup plus. Alors, que ça. Alors, j'étais pas très loin du 14 000. 13 435, voilà. Et sur Washington Post. Et puis, j'ai ajouté un petit graphique parce que, vous voyez, à un moment donné, ça commence à grimper pas mal au milieu de l'écran presque. Il y a un point rouge qui va apparaître pour vous dire, voilà, ça, c'était aux élections de mi-mandat. Mm-hmm. Il a commencé à mentir un peu plus. Et apparemment, si on va à l'extrême droite de l'écran, la courbe s'accentue encore davantage en ce moment avec les histoires d'impeachment aux États-Unis. Ben, c'est dire que c'est un hyper-président. Et c'est un président qui parle beaucoup. Hein? C'est un hyper-président qui se démarque par son mensonge.
perpétuelle. Ou des demi-vérités, hein, parce que ce n'est pas toujours des mensonges. Ça peut être des, les politiciens disent souvent des demi-vérités, donc de, on regarde d'un côté plutôt que de dire tout ce qui se passe vraiment. En tout cas, c'est un, je ne sais pas comment ça se compare à d'autres présidents. La réalité, enfin, ce qui sort, ce qui... Vous voulez dire ce qui sort de sa bouche, oui. Ou ce qui sort dans les journaux? Je sais. Parce que là, les deux côtés, ouais. Comme ça, s'identifient aux fake news. On dit « Ah, vous faites des fake news ». Je pense que M. Trump a beaucoup aidé à la cause des fake news. Mais peut-être que le terrain était propice à ça, mm-hmm. que le jardin était bien préparé. On va en parler avec un spécialiste de la politique américaine. D'ailleurs, un gars qui vient de faire d'offrir un cours à ses étudiants, je pense qu'il le fait en ce moment même, politique présidentielle. Okay. Il est professeur de politique américaine à l'Université de Central Florida. Il s'agit de Daniel Marien. Monsieur Marien, bonjour. Allô. Alors vous êtes, avant de parler des grands enjeux, des grandes questions, tout ce qui se passe à Washington, évidemment, parlons de ce qui se passe dans vos propres classes. Vous êtes un gars qui vous adressait en principe à des gens qui s'informent, des étudiants qui ont pour devoir de s'informer le plus possible. Et vous faites face à quoi? À cette polarisation. Et on ne croit même pas des fois des articles que vous leur donnez, surtout s'ils viennent de sources... en général, bien coté, comme le New York Times. Racontez-moi ce qui se passe dans vos propres classes. Oui, alors c'est un cas intéressant, mais c'est un cas qui illustre les États-Unis, la culture politique américaine baigne dans une sorte de crise épistémologique. Il n'y a plus de référent universel auquel les gens peuvent se référer. Ah, ça c'est vrai, ça c'est faux. Alors, il y a peut-être trois semaines ou un mois, dans mon cours sur la présidence aux États-Unis, j'avais circulé un article du New York Times qui faisait le survol de la diplomatie de Donald Trump à l'égard de la Corée du Nord. Et c'est un article qui racontait finalement, qui suggérait que pendant que les négociations piétinent et que M. Trump s'imagine qu'il fait des progrès avec la Corée du Nord parce qu'il fait des annonces à l'effet de progrès, eh bien la Corée du Nord multiplie les essais de missiles à portée moyenne ou courte portée, et il réussit à produire des missiles et à tester des missiles qui vont zigzaguer dans l'air. Ça, c'est important parce que ça permet à ces missiles-là d'éviter les contre-missiles qu'on peut leur lancer pour les détruire en vol, que cette technologie pourrait être facilement applicable aux missiles intercontinentaux qui pourraient rejoindre les États-Unis. Donc, l'article, avec beaucoup de documentation, mettait en évidence que la diplomatie de M. Trump, si le but, parce que c'est le but des élites américaines, est la dénucléarisation complète de la Corée du Nord, c'est un but fantasmagorique à mon avis, mais en tout cas, c'est le but qui est universellement accepté ici. Si c'est ça le but, M. Trump, comme les précédents présidents, Bush et Obama, eh bien sa politique vis-à-vis de la Corée du Nord échoue complètement. Alors là, ça c'est une classe qu'il y a certains supporters de M. Trump, mais c'est pas en général les supporters de M. Trump, c'est ça qui est important de noter, c'est que la plupart des étudiants pensaient que cet article était biaisé. Alors j'ai été estomaqué, je dois vous l'avouer, estomaqué, et je leur ai demandé, mais biaisé comment? Et la semaine suivante, on est retourné sur ce sujet, et après une discussion, il y a des étudiants qui ont finalement admis que l'article vraiment était critique, mais pas biaisé, et d'autres qui en sont restés avec l'idée que l'article était biaisé. Ce que ça démontre, et c'est vraiment très, pas marginal, mais au contraire, c'est général dans la population américaine, il y a une espèce d'effet de « on ne sait plus quoi croire hein, », parce que les systèmes de médias, il y a Fox News qui nous dit quelque chose, et puis il y a CNN qui nous dit autre chose, et puis finalement, il y a beaucoup de gens qui développent un certain cynisme et un scepticisme vis-à-vis de toute information. Alors, il y a cette crise épistémologique et M. Trump utilise beaucoup cette crise épistémologique. Il s'en sert, il participe à la créer. Et voilà, c'est une situation qui est fondamentalement difficile à gérer sur le plan politique. Pour les oui. autres, Trump, il gère ça très bien. Oui, Daniel Marien, moi, je parlais tantôt d'un hyper-président qui dirige une hyper-puissance et qui se démarque par toutes sortes d'extrêmes. On parlait tantôt de près de 14 000 mensonges en quelques années. Dites-moi, est-ce que, je veux dire, cela pourrait avoir un impact sur la super-puissance que représentent les États-Unis? Est-ce qu'on peut considérer que sur un plan strictement géopolitique et même géostratégique, l'hyper-puissance est en train de perdre quelque part un peu de sa superbe? Ah oui, certainement, certainement. On parle en relations internationales de hard power et de soft power. Le hard power, c'est, si vous voulez,
tous les missiles, les tanks, les sous-marins que vous avez. Le soft power, c'est le prestige, mais aussi la confiance qu'on peut vous accorder. Alors, au niveau de la confiance, eh bien, on l'a vu par une série de politiques. Les diplomates, les chefs de gouvernement ne peuvent plus vraiment faire confiance à l'administration Trump. On a vu ça et regardé avec la décision de retirer les troupes américaines du nord de la Syrie récemment, qui ont, si vous voulez, littéralement sacrifié les troupes, les alliés kurdes, qui avaient contribué de façon importante à combattre l'État islamique, etc. Il existe, moi, je n'ai pas d'informations privilégiées chez avec les diplomates, mais je me mets dans leur peau et je ne ferai pas confiance au président Trump, ça c'est certain. Et donc, ça réduit, si vous voulez, le soft power des États-Unis sur l'échiquier mondial. Et ça contribue très bien à l'agenda, à l'approche politique, au but politique de la Russie avec Vladimir Poutine qui veut reconstituer une ère d'influence pour la Russie, une ère d'influence qui serait équivalente à ce que l'Union soviétique connaissait dans les années précédentes. Marie-Yves. Monsieur Marien, est-ce que ça veut dire que dans les médias américains, on devrait faire un peu comme dans vos cours, c'est-à-dire pas seulement analyser, mais expliquer autour pourquoi l'analyse a été faite de cette façon, d'une façon particulière? C'est une bonne question. Je pense qu'on fait ça un peu dans les médias américains, mais reste à savoir si les électeurs qui sont le plus susceptibles d'être confus par cette création de réalité alternative suivent ces médias, je ne pense pas. Les gens sélectionnent les médias qu'ils veulent lire et ils sont pas. On est très loin de l'époque dans les années 60 où les Américains écoutaient trois chaînes de télévision et ces trois chaînes s'entendaient à peu près, étaient d'accord sur une présentation de la réalité. On n'est plus comme ça. Alors on choisit Fox News, MSNBC, CNN ou encore les médias sociaux. Je pense que les gens sélectionnent d'emblée ce qui leur plaît et finalement les gens s'enferment dans des silos qui sont des chambres à écho. Et voilà, alors je ne sais pas comment sortir de cet espace. Et pour l'enseignement, c'est très, très ennuyeux. Je ne suis pas le seul à exprimer ça. Récemment, dans une réunion du département, un professeur se plaignait de cette exigence, pas de cette exigence, mais de cette réalité de perception alternative de la réalité. Il s'en plaignait, ça nuisait à son enseignement, ça nuit à mon enseignement. Ouais. Je vais vous donner un autre exemple, un cours de maîtrise, un séminaire de maîtrise. Alors, un des étudiants, là on est à la maîtrise, là on est déjà quelqu'un qui devrait être plus sophistiqué qu'un étudiant du premier cycle. On fait l'énoncé, la personne fait l'énoncé que les musulmans viennent immigrer dans notre pays pour nous tuer. Alors, comment voulez-vous qu'un petit professeur qui a 3 heures de rencontre par semaine avec ses étudiants déconstruise, démantèle cet échafaudage de mensonges? C'est un défi immense. Ouais. Écoutez, il y en a un autre défi là, devant nous, c'est de mettre les choses au clair. C'est cette enquête sur les agissements du président, pas seulement dans l'histoire de l'Ukraine, mais il y a eu d'autres histoires précédentes qui nous donnent une image de l'homme qui pousse aux limites et même dépasse la limite. Souvent, ça fait, c'est l'impression qu'on a. Vu de l'extérieur, peu importe ce qui va arriver à Washington dans cette enquête sur la conduite du président dans l'affaire de l'Ukraine, à l'extérieur, c'est un homme qui va en sortir affaibli. Même s'il devait remporter ses prochaines élections, on ne passe pas à travers ce genre d'enquête sans laisser derrière soi beaucoup de cadavres, hein, beaucoup de fantômes. Il va sortir affaibli ou il va sortir encore plus déchaîné. Alors, il va sortir affaibli, certainement dans l'opinion démocrate et possiblement chez les indépendants, oui. Ça pourrait avoir des effets sur la réélection de certains sénateurs dans certains États qui voteront pour ne pas le destituer. Il y a à peu près 6 sénateurs dans des États compétitifs où on peut envisager que s'ils votent pour ne pas le destituer, comme l'exige la base électorale républicaine, ça mettra en doute la réélection de ce sénateur.
son balotage en 2020. Mais pour le président Trump, il pourrait aussi, ça pourrait avoir un effet négatif sur sa réélection vis-à-vis des électeurs indépendants, c'est vrai. Mais ça pourrait être interprété le fait de ne pas le destituer après que la Chambre des représentants ait voté l'impeachment, les articles de mise en accusation. Mmh. Ça pourrait le renforcer auprès de sa base électorale. Ça pourrait déchaîner M. Trump. Et ça pourrait amener un sentiment, une demande de revanche de la part de sa base électorale. Alors, c'est très difficile de prédire quelles seront les conséquences politiques de ce processus. C'est un processus conflictuel, dynamique. Et il y a beaucoup de gens qui vont vous faire des prévisions. Moi, je suis un peu sceptique. On verra dans quelques mois comment ces prévisions seront confirmées ou invalidées par les événements. Justement, j'allais vous demander, ça va être quoi le bilan de cette polarisation? On l'a vu dans d'autres pays. Quel sera le legs de cette polarisation pour les États-Unis? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. C'est un processus qui semble s'approfondir, qui semble n'avoir pas de fin. On est rendu à un point de vue, à un point où, les gens, c'est pas seulement que les gens ont des valeurs différentes, c'est qu'ils n'aiment pas ceux qui ont des valeurs différentes. Et on en est à un point où beaucoup de républicains ne veulent pas que leurs enfants marient un ou une démocrate, et vice-versa. Hein? Beaucoup de démocrates ne veulent pas que leurs enfants fréquentent ou marient un ou une républicain, alors, ou républicaine. Alors, on en est vraiment dans une situation d'hostilité civique qui s'approfondit. En Sciences Po, il y a des ouvrages qui faisaient l'argument que la polarisation est un phénomène des élites politiques, de ceux qui sont élus, de ceux qui sont au gouvernement, des journalistes, de ceux qui s'intéressent à la politique, et que la masse des Américains n'était pas polarisée sur le plan partisan. Cette vision a changé parce que cette polarisation gagne les masses jusqu'à un certain point. Voilà, jusqu'où ça va arrêter, jusqu'où ça va aller, comment ça va s'arrêter, comment renverser la chose, je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Tout le monde se gratte la tête dans les deux camps, d'accord? Personne n'est très content de cette polarisation. Enfin, peut-être Donald Trump, oui, mais beaucoup de gens dans les deux camps ne sont pas contents de cette polarisation. Les politicologues se grattent la tête à savoir comment améliorer la situation. C'est pas évident du tout. Et voilà, je sais pas comment ça va aboutir, et je sais pas si ça va aboutir d'une façon ou d'une autre. C'est très inquiétant. Chantal. Oui, j'allais poser la question de savoir, cette possibilité de destituer le président des États-Unis cristallise toutes les attentions, hein, un peu partout dans le monde, mais on sait qu'il n'y a pas eu des tonnes de destitutions d'impeachment aux États-Unis. Il y a eu quelques cas. Je veux savoir, n'assiste-t-on pas là à une sorte de théâtralisation du jeu politique juste pour distraire l'opinion en face d'un président qui paraît en quelque sorte un peu bidon? Non, je ne suis pas d'accord. Oui, théâtralisation, oui, il y a toujours une part de théâtre dans la politique, et en particulier M. Trump est un animal de télévision, comme vous le savez. Il y a eu très peu de destitutions. En fait, le président Johnson, qui avait succédé au président Lincoln, avait fait face à un processus de destitution. Il n'a pas été enlevé, il n'a pas été destitué finalement par le Sénat. Il y a manqué une voix, une seule voix au Sénat pour le destituer. Par la suite, il y a eu le président Nixon. Nixon, oui. Qui, lui, était pour faire face à un processus de destitution. Il a démissionné avant, c'est parce qu'il s'était rendu compte que les sénateurs dans son parti n'étaient pas pour le protéger de la destitution, ils étaient pour voter la destitution. Alors, si vous voulez, il a preemptive strike, comme on dit en anglais. Il a fait le coup avant que ça se produise. Il a démissionné. Il y a eu le président Clinton qui a fait face à des accusations d'impeachment à la Chambre des représentants, puis au Sénat, il a été exonéré par le Sénat. Et puis maintenant, on en est avec le président Trump. Mais voilà, c'est vrai qu'on ne destitue pas facilement aux États-Unis. En même temps, c'est ironique parce que depuis le président Bush et le président Obama, on parle beaucoup de destituer le président qui est à la Maison-Blanche et qu'on n'aime pas. Je me souviens très bien, moi j'habite dans un voisinage très conservateur. Et sous la présidence Obama, il y avait beaucoup d'autocollants sur les pare-chocs que impeach Obama, etc. Alors, on parle beaucoup dans le public, hein?
de destitution depuis le président Bush et sous Obama. Et maintenant, on a un cas où les institutions, enfin, la Chambre des représentants a lancé un processus de destitution. Donc, on ne destitue pas facilement, mais peut-être, je ne sais pas comment ça va finir, comment ça va se terminer, cette chose. Donc, vous êtes d'accord que, enfin, ce n'est pas juste une manœuvre dilatoire, quelque part pour distraire l'opinion par rapport à un président qui commet toutes sortes de bourdes, non? Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça du tout. Il faut voir comment le processus de destitution a été lancé à la Chambre. D'abord, la chef des démocrates à la Chambre, Mme Pelosi, elle est vraiment entrée dans le processus de destitution à reculons. Elle ne voulait pas. Sa gauche voulait lancer le processus depuis plusieurs mois. Et elle a attendu qu'il y ait l'événement, en fait, des révélations sur la chose de l'Ukraine. Je pense que Madame Pelosi est très inquiète. Elle veut conserver sa majorité à la Chambre des représentants. Elle sait qu'elle a à peu près 40 ou 50 membres de sa majorité qui sont dans des comtés où on est très compétitif et où, si on lance un processus de destitution qui paraît arbitraire, elle pourrait perdre cette majorité en 2020. Et donc, elle a attendu que ce soit l'Ukraine. Je pense que c'est plutôt je pense qu'il y a deux, trois considérations qui ont joué dans sa décision de lancer une enquête de destitution. Un, c'est qu'elle ne pouvait plus contrôler sa base, ses députés. C'était devenu trop. Parce que vraiment, l'Ukraine, qu'est-ce que c'est que les ajustements de M. Trump en Ukraine? C'est une tentative à nouveau de tricher à l'élection de 2020 en obtenant du président de l'Ukraine qu'il jette du discrédit sur l'adversaire le plus important de Donald Trump à cette élection. Ça en était trop. Et aussi, je pense qu'il y a, il y a un élément de principe. Je pense qu'on se rend compte que chez Mme Pelosi et ses alliés, que le président Trump abuse de la Constitution, parce que c'est ça la destitution. Hein? On peut lancer un processus de destitution pour abus de pouvoir ou abus de la confiance publique. Et M. Trump a systématiquement abusé de son pouvoir depuis son élection, depuis qu'il est président des États-Unis. L'Ukraine, ses agissements à l'Ukraine sont que la dernière version de ça. Mais on pourrait parler de son pardon au shérif Arpaio en Arizona. Mm-hmm. On pourrait parler, écoutez, quand M. Trump a congédié le directeur du FBI pour motif que ce directeur refusait de terminer une enquête sur un allié politique de Donald Trump. C'est de l'abus de pouvoir épouvantable. Et M. Trump va à la télévision et il admet ça sur les ondes de NBC. Ouais. Et encore, il y a toute cette histoire des fonds pour la construction du mur. Donald Trump se présente après 35 jours de fermeture du gouvernement américain. Il se présente pour dire, bon, finalement, je vais invoquer cette loi d'urgence qui me permet de réallouer à d'autres fins, les fonds qui ont été votés par le Congrès, on parle de milliards de dollars ici, là. Le Congrès a refusé d'allouer des fonds à la construction du mur. Trump va dire il y a une loi d'urgence qui me permet de faire. En même temps, il dit, mais vous savez, je suis pas obligé de faire ça maintenant, je pourrais attendre. Alors, il n'y a pas d'urgence. Alors, la liste des violations de la Constitution par Donald Trump sont longues comme le bras. Oui. Mais c'est de la vieille histoire. Je m'excuse, mais c'est de la vieille histoire parce qu'à chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Le dernier jour, c'était l'histoire, le bras de fer avec, dans l'histoire de militaires là, qui ont reçu leur pardon, tout ça. Bon, le congédiement d'un haut responsable militaire. Justement, parlant des militaires, ce qui est plus récent, c'est son voyage. Il revient en ce moment. Hein. Il est à 2 heures de Washington, me dit-on. On le suit pas à pas. Et puis, voici les images. Je vous préviens à l'avance, c'est les images de la Maison-Blanche. Alors, c'est différent des images des grands réseaux, à la vidéo de la visite de Trump en Afghanistan, les images se succèdent très rapidement et c'est une pluie de militaires qui salue le président. Ça va beaucoup plus rapidement et c'est en accéléré. C'est un autre trucage de la réalité, si vous voulez. Je le dis parce que les gens peuvent aller voir les films d'origine. Maintenant, parlez-moi de la conscience militaire américaine, du pouvoir militaire américain, qui reste pas silencieux, mais qui, on le sent gronder en arrière. J'ai jamais entendu ça, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie, moi. Les militaires américains faire sentir que ça ne passe pas, c'est quelque chose. Oui, alors là, vous parlez des autorités de la hiérarchie militaire qui n'est pas du tout contente que M. Trump se soit immiscé
dans la sanction de certains militaires de la base, pour ainsi dire, qui ont été accusés de crimes de guerre. Les officiers supérieurs ne sont pas contents du tout. Je n'ai pas vu de sondage sur ce qu'en pensent les militaires de la base, entre guillemets, les soldats. Je n'ai pas vu de sondage. On sait par d'autres sondages que la plupart des militaires sont d'allégeance républicaine. Possiblement, ils sont favorables à M. Trump. D'un autre côté, on a vu des militaires récemment qui se sont plaints beaucoup de la décision de M. Trump d'évacuer ou de retirer de la Syrie leurs effectifs militaires. Chez les militaires, on semble avoir vu ça comme une trahison des Kurdes. C'est un argument tout à fait probable, probant, je dirais. Je ne sais pas très bien, il faut faire attention, les militaires, c'est une très grande organisation. Il y a plusieurs, il y a les Marines, la Marine, il y a l'armée de terre, il y a l'armée de l'air, et puis il y a beaucoup de monde là-dedans. Il y a des millions de personnes, en fait. Donc, il y a plusieurs étages aussi en termes de hiérarchie. Là, il faut faire attention à de quoi on parle. Mais c'est certain que si vous êtes stationné en Afghanistan et que le président vient vous voir, ben, vous allez être content et vous amène de la dinde pour l'action de grâce. C'est très bien. Et apparemment, selon les images, c'est une vraie dinde, contrairement à ce que M. Trump a distribué. Contrairement à ce que M. Bush avait fait il y a quelques années, il avait distribué une dinde en plastique seulement pour la télévision. Alors, voyez-vous. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger pour les militaires américains d'être comme ça, utilisé et ensuite jeté, comme M. Trump a fait avec beaucoup des gens qui ont travaillé pour lui et qui le soutenaient? Vous avez raison, vous avez raison. Il y a un danger. Ce qui m'étonne, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont volontiers et qui vont volontiers travailler avec M. Trump malgré le danger, parce que vous avez raison. M. Trump utilise les gens. Il exige une loyauté à temps unique. Et quand vient son tour de montrer de la loyauté vis-à-vis de ces gens, il n'a pas de loyauté, il les rejette, c'est une utilisation à sens unique finalement. Et il y a encore des gens qui apparemment veulent travailler avec M. Trump, quoi qu'on dise, qu'on entende par les journalistes qu'il y a parfois des difficultés pour recruter des gens dans son administration, justement parce que on craint cette loyauté à son unique. Alors, c'est ce que certains journalistes qui ont des connexions beaucoup plus intimes avec Washington que je n'en ai. C'est peut-être pour ça qu'il y a plusieurs postes dans l'administration qui ne sont pas remplis au moment où on parle. Professeur Marien, merci beaucoup de nous avoir parlé d'un des États américains où vont se jouer les prochaines élections, c'est sûr et certain. Et puis, vous êtes dans un coin très conservateur, donc on aura l'occasion certainement de vous reparler de ce qui se passe chez vous à un moment donné. C'est un très plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était le professeur Daniel Marien de politique américaine à la University of Central Florida, dans le coin d'Orlando, pas loin de là, en tout cas. Je dis pas loin de là, il habite pas loin d'Orlando, mais l'université est à Orlando. Okay. C'est précis, hein? Il y a Disneyland dans ce coin-là aussi. C'est-tu hein? vrai? Ah bon? Oh. C'est vrai, vous avez raison. J'avais probablement oublié ça. J'ai la tête ailleurs, mais je suis toujours dans les nuages. Ben oui, absolument. À la Station spatiale internationale. En parlant de Disneyland. Bon, allons-y. Allons-y avec notre boule choc. Faisons de la couleur. Deuxième tour, combien de boules à perdre? 30. Parfait. Combien de boules ont été perdues et par qui au dernier jeu? 20 boules par mois. Parfait. Je dis parfait parce que c'est pas la bonne, c'est pas bien, mais c'est vous recitez la leçon très bien. Voilà. Alors deuxième question, on l'affiche quand même à l'écran. Voici la fortune du candidat démocrate à la présidence. La fortune du candidat démocrate à la présidence américaine, Michael Bloomberg, est de combien de fois plus grosse que celle de Trump? Je cite ma source, c'est Forbes. D'accord? C'est très important de citer ces sources. Alors, c'est pas Bloomberg. Non. D'autres chiffres totalement différents chez Bloomberg, j'en suis sûr. Est-ce que c'est 10 fois plus grosse, la fortune de Michael Bloomberg? Est-ce que c'est 13 fois plus grosse? Est-ce que c'est 17 fois plus grosse? Ou est-ce que c'est aucune de ces réponses? Oh, alors là... J'irais avec le juste milieu. Ouais. Donc, 13 fois plus grosse. Vous savez, c'est B, c'est pas tout à fait au milieu. Ce serait entre B et C, moi, je dirais le milieu. Ben, écoutez, il n'y a rien de scientifique là-dedans, donc okay. C'est comme ça au pif. Au pif, elle voilà. dit. Maryse. Oh, moi, au pif, je vais retourner avec D, parce que je sais que Michael Bloomberg vient de dépenser cette semaine 40 millions de dollars pour des publicités pour sa candidature. Ah bon.
Alors, c'est pour ça que je me dis que lui, il est vraiment... Ouais. Il est bourré dans la de fric. Hein? Ah oui, il est dans la stratosphère financière. Alors, tous les deux, c'est au pif. Ouais. Et paf, vous avez tous les deux la mauvaise réponse. Bon, alors, c'était 10. Non, c'était 17. C'était, c'est ça. C'est 53 milliards de dollars, selon Forbes, toujours. Ah, d'accord. Oh, ben, très bien. Maintenant, pour en savoir plus sur ce qu'on a discuté aujourd'hui, nous, la politique internationale, ça nous touche, ça nous vise, c'est notre spécialité. Alors, on a été sur notre site web voir ce qui a été plus récent, produit par notamment Alice. Vous allez reconnaître certainement certains de vos écrits. Vous lâchez un cri d'accoucher. Ces derniers jours, c'est toutes sortes de sujets. Toronto a été le théâtre des pressions de Donald Trump sur l'ex-président ukrainien. Une histoire que personne ne discute à Washington. Personne n'en parle. Nous, on en parle. Trump qui accorde un pardon présidentiel à un vieil ami ex-milliardaire canadien. Conrad Black, ça, c'est connu. D'autres histoires à scandale, vous allez voir. Là, c'est des ex-premiers ministres canadiens qui se prononcent, qui pensent de Trump. Jean Chrétien, notamment. Oui, ça aurait été intéressant d'entendre Jean Chrétien répondre à Donald Trump. Malheureusement, ça ne se fera pas. Ouais. Mais mon Dieu, que ça aurait été intéressant. Il y a comme 15 ans qui les séparent au niveau du pouvoir. Fait. Et puis, Scaramucci, ce qu'il conseille aux dirigeants canadiens de faire, comment gérer Trump? Apparemment, on peut gérer l'employé Trump. Oui, parce que ça, c'est quelqu'un qui s'est fait tasser rapidement. Oui, mais oui. Tout à fait. 17 jours ou 10 jours? Bon, je ne me souviens plus. Il y a eu 10 jours, c'est marqué. Il y a eu le vote du Canada à l'ONU. Hein? Oui, un geste de bravoure, mais apparemment, c'était... Ouais. Il y a autre chose dans cette histoire, c'est à lire. Voilà, c'est sur notre site web, ça accompagne Tintin aujourd'hui. La boule roule toujours, c'est une bonne chose. Troisième jeu. Alors là, on est rendu à combien de points? Madame en a perdu 50. 50 points, elle a perdu. Moi, j'en ai perdu 30. 30. Il en reste combien à perdre pour le troisième jeu? 50. Ouais. Alors, ça veut dire qu'on perd tout en gagne tout. Troisième et dernier jeu. Ça déboule vite cette semaine. Oh mon Dieu, un mensonge. Ouais. Laquelle de ces affirmations au sujet de Donald Trump est un mensonge? Je pensais que c'est bien de le dire quand même. Hein? Est-ce que Trump n'a jamais fait faillite? Est-ce que c'est A, Trump n'a jamais fait faillite? J'ai oublié les lettres, mais on comprend. B, Trump était un partisan du Parti démocrate. Est-ce que c'est C, Trump s'est marié 3 fois? Ou est-ce que le mensonge, Trump est bachelier en sciences économiques? Quel est le mensonge parmi les quatre? Il a été partisan du Parti démocrate sans en être membre. Entre partisan et membre, il y a tout un fossé, non? Ouais, ben un partisan, c'est quelqu'un qui aime les idées d'un parti. Qui aime les idées du Parti démocrate. Ouais. Je sais qu'il a été proche d'Hillary Clinton à un moment donné. Bon, vous... Ben, du coup, alors, vous allez vers quoi? Le Clinton. Ouais. Il n'a jamais fait faillite. Peut-être il n'a jamais fait. Peut-être il n'a jamais fait faillite. D'accord. Alors vous êtes entre les deux. Peut-être. Vous attendez de décider. On va écouter Maryse maintenant. Ben moi j'hésite entre Trump s'est marié 3 fois parce que je me souviens d'Ivanka et de maintenant son épouse. Ah bon? Ou encore bachelier en sciences économiques. Je suis pas sûre. Je sais qu'à un moment donné, il disait avoir une université. Ah oui, il y a un diplôme en gestion, dit Chantal. Oui, en économie, quelque chose comme ça. Bon, on va arrêter de vous faire languir. Alors, on y va avec la réponse. Quelle est votre réponse officiellement? Ben, j'ai dit, il n'a jamais fait faillite. Il n'a jamais fait faillite. Et Maryse? Il s'est marié 3 fois. Bon, les deux affirmations sont vraies. Il s'est marié 3 fois. Il n'a jamais fait faillite. Ce sont ses compagnies à 6 reprises qui ont fait faillite. D'accord? Mais il n'est pas bachelier en sciences. Il est bachelier en sciences. Il est bachelier en sciences. Il a été un partisan du Parti démocrate. On l'a vu dans les années 80. Bon, le mensonge, c'est qu'il n'a jamais fait faillite. C'est, on va dire, c'est ça. On a un peu... Alors, il me reste 20 points à chaque fois, je crois. Moi, je vous accorde... On a un peu joué avec la réponse. Un peu de réalité virtuelle. D'accord. Alors, vous conservez tous vos points, puisque la question était une fausse question. Une fausse question. C'est un nouveau jeu à notre émission, la fausse question. Alors, on cesse de planer, on revient sur Terre. En tout cas, c'est toujours le vendredi, c'est l'occasion d'avoir du plaisir ensemble. Et le dernier jeu de la semaine, c'est quoi? Dites-moi. C'est l'image de la semaine. Oui, c'est sûr. Alors, ce qui s'est passé. Je réponds par oui, par non à vos questions. Et vous devez déterminer quelle est l'image cette semaine. L'image qui a fait le tour du monde. Quelque chose qui s'est passé au Canada. Non, pas vraiment. Je dirais non, pas vraiment. Non. Ça ne s'est pas passé au Canada. Ben, il y a eu des choses qui sont produites. Il y a eu des répercussions. Il y a eu des répercussions ou des conséquences au Canada, mais ça ne s'est pas passé au Canada. Est-ce que ça s'est passé aux États-Unis? Ça s'est passé aux États-Unis, bien sûr. Tout se passe aux États-Unis depuis un bout de temps. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça touche l'environnement? Non, ça ne touche pas l'environnement. La politique? Ben oui, ça touche la politique, tiens. Quel hasard! Est-ce que ça touche un parti en particulier? Oh, ben oui, ça touche quelque chose comme ça, un parti en particulier, oui, peut-être, oui.
Quelqu'un qui se déguise un autre personnage. Ah, c'était une déguise. Oui, c'était un déguisement. Un déguisement. Il a voulu imiter un certain Schwarzenegger. on va regarder l'image de la semaine. C'est pas Schwarzenegger. Ah non, c'était pas Schwarzenegger. Non, je pense que c'était Rocky. Ah oui. Ouais. Donc, j'ai vu ça. Voilà. Encore notre Donald. Ouais. Il est beau, hein, notre Donald, là, ça. Je vous dis, franchement. Encore un fake news. Et voici la réalité. Une des réalités, parce que je vous ai caché les autres images, je n'ai pas osé vous présenter parce que. Mais là, c'est sûr que celle de droite n'a pas été trafiquée aussi. Non, celle-là est bonne. Parce qu'il me semble que lorsqu'on le voit en direct à la télé, il a l'air quand même un peu plus mince. Parce qu'il est bien habillé, ça. On peut tout cacher. Mais je trouve que c'est quand même assez grave de rire du poids des gens. Mais dans ce cas-ci, je pense qu'il l'a un petit peu comme cherché. Voici sa compétition. Ah, ça, c'est sexy, hein? C'est beau, ça. Et puis, le grand gagnant... Non, c'est sans commentaire. Les images parlent d'elles-mêmes. Le grand gagnant, c'est lui. Avec ses cheveux longs, lorsqu'il avait fait un match de boxe. Il y a quelques années, là, 6 ou 7 ans. Il a pris un peu de poids, juste un petit peu. Contre un député conservateur. Voilà, les dernières images sont... Et même tout récemment, hein, pendant la campagne. Et voilà, garçon Macron. Macron. Mais c'est une fausse image. C'est le thème aujourd'hui, fausse question, fausse image. Mais en ce qui concerne le premier ministre du Canada, j'ose croire que c'est vrai, parce qu'on l'a vu pendant la dernière élection. C'est encore vrai. Il a pris peut-être 1 ou 2 kilos. Là. Et il faut rassurer les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Oui. On ne fera pas ce genre de photomontage nous-mêmes. Non, du tout. Ben, nous, on a 10 kilos de moins. En réalité, on a 10 kilos de moins, c'est sûr. À la télévision canadienne, c'est 10 livres de moins. Nous, on est à la télévision internationale, c'est 10 kilos. C'est bien. C'est super. C'est mieux comme ça. Voilà. Un kilo, c'est combien de livres? Une livre, c'est... 1,6 livres pour un kilo, je crois. Ça vient d'être compliqué, cette affaire. Il me semble. Je pense que c'est 450 grammes, c'est comme... je me suis trompée entre tes kilomètres et les milles. Oui, c'est ça. Ah non, c'est 2,2 livres, un kilo. D'accord. On l'a dit en même temps. On nous a soufflé à l'oreille. Alors, la semaine prochaine, une émission spéciale sur les 37 ans du système métrique au Canada. C'est pas étonnant. Vous n'avez pas apprécié à l'école. Comment ça que vous nous le dites à l'avance? Parce que vous ne serez pas là. C'est gentil. Allez, Oust! À la semaine prochaine. Il fait un trompe de lui. Oui. C'est gentil, hein?